Qu'est-ce que c'est? Allez, j'ai préparé le sac de course et let's go. Franchement, j'ai la flemme. J'espère que vous, ça va. J'ai la flemme. On est mercredi 14, il est 11h39. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour ce midi. Et là, je m'apprête à aller courir avant de manger. Parce que ce matin, on s'est levé, on a vraiment chillé. Genre en mode tranquille dans le bagalou, on a rangé. Les filles sont plutôt calmes. Donc on essaie de profiter hein, quand c'est comme ça. Et puis voilà, du coup, je vais aller courir et on va manger. Et après cet après-midi, normalement, on va l'Euro Delmar. Voilà, écoutez, je vous embarque avec nous. Et je tiens à dire que j'ai méga la flemme. Mais si je m'écoute, je ferai rien. Donc j'y vais. Voilà, je vais voir ce que je fais. Et il faut pas s'écouter. Parce que si vous écoutez, vous ferez rien. C'est ça, on dit long sur le peu de sommeil qu'on a cette semaine. Hein. Bébé Rave, j'ai fait une petite purée de pommes de terre, enfin un écrasé de pommes de terre. Et on va lui essayer de lui donner un peu de tomates comme ça et une petite compote, voilà. Bon du coup je suis rentrée, j'ai bien couru, j'ai fait 4,7 km, je voulais aller jusqu'au 5 mais bah, j'ai fait 4,7 km, écoutez c'est comme ça. J'essaierai d'aller plus loin la prochaine fois, c'est pas grave. C'était rigolo, il y avait beaucoup de gens qui couraient, alors entre les kékés qui sont coureurs et qui mettent le t-shirt sur le côté, les vrais comme moi qui ont su une belle, et il y avait une fille, je l'ai chopée en fait en courant, elle était déjà en train de courir et je suis arrivée au même moment à l'intersection, et en fait c'est marrant parce qu'on s'est suivis, on a fait le même tour, on s'est resuivis, après moi j'ai tourné à mon camping et elle a continué, et on voyait l'une comme l'autre qu'on en chiait, et il n'y en a pas une qui lâchait, du coup ça motivait de ouf. Mais voilà, j'ai bien couru, puis j'avais plutôt une bonne allure, donc ça va petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein, je retrouve un petit peu les mêmes sensations qu'avant, et j'essaye de retrouver petit à petit le même niveau, même si je n'y suis pas. Bah, je suis fière de moi parce qu'on est quand même en vacances, et je ne me laisse pas aller, je continue et j'oublie pas mes objectifs, même si je ne fais pas trop de tapis. Mais mon objectif, c'est au moins d'essayer de caler une seule séance sur le tapis dans la semaine, au moins une. Voilà. Du coup, bah là je suis en mode, je suis ma race, et on a fait à manger aux enfants, enfin j'ai fait à manger aux enfants, et Vincent... il est en train de faire des pâtes bolo, voilà. Donc du coup, je vous fais voir ce que j'ai fait pour l'espèce d'entrée apéro ce midi. Camarade de ses vacances, c'est Raphaël, il a une grosse passion pain de mie. Hein, doudou? Ouais, mon doudou. Pour ce midi, j'ai fait des petits poivrons avec de la crème de camembert dessus. On a toujours de la sabrosa avec des petits pains toastés, des cornichons, des olives, un petit peu de tomate. Et j'ai fait des concombres que l'on prend comme ça à l'attaque avec le thon mayonnaise. Voilà, super bon. On a de la salade, un mini moule de chips. Elles ont déjà un yaourt nature sorti et il y aura des fraises en dessert. Bon, on est revenu de la plage. On a fait plage en fait. Finalement, c'est ça qui est bien au bord de la mer, c'est que ça s'est grave, mais alors grave, grave découvert. Et que finalement, bah, il n'y a pas eu besoin d'aller dans une ville à côté. On a profité de la plage et franchement, on a passé une trop bonne après-midi. On y est resté 3 heures. Bébé Raph, il n'a pas trop mangé de ça parce que... il aime bien goûter le sable et franchement c'était bien, franchement on a rigolé, on a profité et j'ai grave kiffé. Du coup voilà, j'étais en train de faire mon petit étalage, les filles avec Vincent sont parties à la supérette acheter de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau, voilà, et moi du coup bah, je suis en train de ranger, puis après on va attaquer les bains. Et ce soir, on va aller faire un petit tour dans les petites boutiques à côté et tout. Et je disais à Vincent, il serait peut-être temps qu'on achète les cartes postales. Hein, comme d'habitude, on va les acheter au dernier moment et on va les envoyer au dernier moment. Et puis tout le monde les recevra dans 3 semaines. Voilà, quand on sera bien rentré, qu'on sera à nouveau blanc bec. Hein, voilà. Oui, moi doux. Donc voilà, c'était super chouette. Voilà, j'ai kiffé. Là, les filles, elles vont revenir et tout. Et après, on va faire un apéro. Et je vais faire une petite pétanque. Je vais en mettre un petit peu la misère à ces enfants. Bah ouais, attendez. Oh, c'est qui la reine de la pétanque? Bah alors, par contre, vous voyez, on a ça là. C'est très très beau comme table. Mais note à moi-même, j'ai jamais acheté ça. Voilà, c'est pas pratique, je trouve. Alors, on est bien dedans, hein. Mais alors c'est pas pratique. Oh, c'est pas du tout pratique. Mais on est bien dedans, mais c'est pas pratique. Voilà, je vous ai pas fait voir. Bon, vous voyez le mobilhome d'en face, mais nous, c'est à peu près pareil. Hein. Il est aussi grand. Voilà, on est plutôt pas mal derrière le coin tente. Et en fait, nous, on est là les 25 et 3 allées plus loin. Vous avez la piscine et tout que vous devez entendre là. Qui est un peu un bruit de fond. Voilà, un mot Didi. Allez, on est au repas de ce soir. Bon, du coup, on a sorti les mêmes petites chips. On a sorti encore les petites choses. Bah, s'ils veulent tremper les chips dedans, on va goûter celle-là. Sauce fromage.
Il y a des pistaches. On a fait des petites choses comme ceci. Et là, donc du coup, taboulé, concombre, tomate. Surimi, un petit peu de comté et des petites moules comme ça. Et voilà, il reste des pâtes et ça ira très bien. Vous allez dire, il mange tout pareil. Bah, on finit le reste. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Du coup, nouveau vlog, enfin nouvelle journée. J'ai pas voulu monter hier, j'avais pas envie. On a été faire un petit tour, on a été manger une glace, des churros, enfin tout ce qu'il fallait. Et on est rentré, j'avais qu'une seule envie, c'est d'aller au lit. J'étais fatiguée et j'avais pas spécialement le courage de me taper une heure de montage. Donc du coup, je dis bah tant pis, ça fera un gros vlog. Donc du coup, nous sommes jeudi. C'est ça? On est jeudi, ce matin on a fait piscine, Vincent avait un peu de travail donc il est resté avec Raphaël pendant sa sieste du matin. Moi je suis allée à la piscine avec les filles, on a bien rigolé, on a fait du toboggan. Le bleu, il y a un toboggan bleu, il est trop bien. Voilà, et du coup bah là on s'apprête à manger et c'est... pour les saucisses. On va dire barbecue sans être un barbecue. Barbecue on sur... On a des saucisses, on a des merguez, on a les restes de l'apéro d'hier soir. Et je suis en train de donner du coup à manger à bébé Raph. Vincent a fait une purée de courgettes, il lui a coupé un peu de surimi intérieur. Ok, j'avoue, le surimi c'est de la M-E-R-D-E, mais... Moi aussi je veux une saucisse. On fait avec ce qu'on a. Voilà, à l'intérieur, et il mange. Et voilà, et d'ailleurs je vous ai pas dit, on pense que bébé Raph il a... Alors, on a du mal à regarder, mais bébé Raph, je crois qu'il a 4 dents qui vont pousser. Deux en bas, deux en haut. Bref. Voilà pour les petites nouvelles, cet après-midi c'est pas compliqué, on va faire plage, piscine. Bon alors on va pas se casser la tête. Et d'ailleurs faut que je te parle d'un truc pour demain soir. J'ai parlé avec les petits voisins et ils m'ont donné un truc, enfin une adresse. Et du coup peut-être que demain soir on mangera là-bas, on va voir. Allez on mange, j'ai super mal au bras, je porte l'appareil photo que d'Amra donc voilà. Petit sandwich saucisse, hop là, petit pique-nique, alors entre guillemets sur la plage, mais voilà, on est sur le rebord. Et voilà, ça ira très bien. Papa. Je regarde les photos. Papa regarde les photos que j'ai prises pour le moment. Je n'en ai pas pris beaucoup, hein. Non, plus que moi. Ouais. Et comme d'hab, il y a beaucoup de photos de moi dessus. Nous les mamans, on est tout le temps en train de prendre. Oui, bah oui, je fais des selfies avec mes enfants. C'est nous qui prenons les photos. Du coup, on n'est jamais dessus. Mais je m'en fous, j'ai dans mes yeux. C'était où ça? J'ai les photos. Hein? C'était quand on avait été à la piscine avec Boubou. Bon, les amis, on est rentrés. On va aller à la douche. Oh, j'ai une flemme. Avoue que j'ai la flemme, là. J'ai envie d'être mimimati et de faire... Hein? Douche, montage vidéo. Et... Hein? C'est le chat et l'eau. Elle lui a défoncé. Ah oui, c'est le chat et l'eau qui lui a défoncé son mur. Et elle me disait, elle m'a envoyé une photo. Je lui ai dit, bah attends, il faut que je fasse une capture. Je ferai voir à Vincent, il me dira ce qu'il faut faire. Faut faire quoi? C'est la toile de verre. Il faut faire quoi du coup? Faut découper, tac tac, le carré, décoller la toile et remettre la toile. Bon, bah voilà, je te le dirai, l'eau, quand je te verrai. Bon, sinon, j'ai super mal au coude. Je suis sûre que je vais avoir des bleus. Je me suis cogné les deux coudes dans le toboggan avec Léonie tout à l'heure. J'ai trop mal. Bref, on est rentré. On a été manger une petite glace. Vous avez dû voir juste avant, on a fait un pique-nique sur la plage. On a été manger une petite glace. Putain, elle a pas envie. Non, on dirait Morticia. Elle a pas envie de rire. On a été manger une petite glace. Il y avait un bar avec de la musique et tout. C'était cool. Et puis, bah là, on est rentré. Tiens, ça tu peux supprimer, t'as d'ailleurs, celle-là.
Les deux là. Mais non, mais c'est pour les vlogs des fois quand j'ai que le téléphone. Et c'est quoi c'est cette vidéo de clôture. Et voilà, on n'a pas de croisé de pigeons. Ni de mouettes. Hein? Mais je sais plus si je voulais raconter. Hein? On marchait dans le camping. On rentrait. Et là, d'un coup, j'entends. Ah! Je me retourne. Il me dit, ça s'est fait. Drôle à la base. Et là, je marche. Et là, je me retourne. Je lui ouvre le mec. Écoute, il marchait comme si c'était très, très drôle. Il se retourne. Et là, j'en pleure sur la casquette. Une. Chasse-merde comme ça jusqu'au t-shirt et le mec le pire c'est qu'il continuait de marcher comme ça comme si de rien n'était hein. C'est Artus elle est enceinte non c'est pas ah j'ai cru enfin bon bref ça m'a trop fait rire après il me dit foi du coup oui bon on avait lingette et tout donc il a essuyé et rebelote mais il a dû sentir qu'on était français à Barcelone c'était le tour à Nini. Nini, par contre, elle s'est mise à pleurer, bichette et tout. Elle s'est véchée dessus aussi sur le pied. Hein? Bref, voilà, c'était les anecdotes des vacances. Mais il nous en est arrivé. Hein. Je sais même pas si je vous ai raconté aussi le coup du ticket. On était en garé dans un parking souterrain. On ne retrouvait plus de ticket. Pendant au moins 20 minutes, une demi-heure, on a cherché. Impossible de retrouver ce ticket. Du coup, bah Vincent, allez expliquer en espagnol à la fille que vous avez oublié le ticket. Du coup, je le voyais au loin et tout. Puis moi, du coup, ça me gonflait parce que j'étais persuadée qu'il était dans la voiture, ce ticket-là. Du coup, j'ai tout retourné. Enfin, compte, il était sous le siège à Vincent. Il a dû glisser. Bref. Ouais, il nous arrivait que des trucs comme ça. Ah oui, il y a un truc aussi qui nous gonfle en ce moment. Mais ça, par contre, c'est moins drôle. En fait, dans le mobilhome, il y a une prise qui est défectueuse. C'est ça? Derrière, le mobilhome. Et en fait, à chaque fois qu'on met soit le lave-vaisselle en route, soit un autre truc, il y a des trucs qui sautent. Mais c'est avec mon téléphone que tu regardes toutes les stories, mon mec. Bah ouais. Bah mais moi après je les verrai plus, c'est le coup j'ai pas vu des gens que je suis. Bon, regarde. D'accord. Et bref, du coup, bah ça saute. Genre on met le lave-vaisselle en rose, au bout de 2 minutes ça saute, tous les plombs sautent, toutes les deux minutes. Tout à l'heure j'ai fait chauffer quelque chose au micro-ondes, ça a sauté, enfin bref. Du coup on leur a dit quoi, je sais pas combien de fois. Hein, au moins 4-5 fois qu'on a été les voir. Ouais, Ils s'en tapent. Et franchement... Je vous ferai le débrief des vacances, hein, mais je vous ferai le débrief, comme ça vous serez sur ce camping et tout. Mais ouais, il y a plein de trucs qui sont à voir. Plein de trucs qui sont à revoir. Bref, demain dernier jour, demain soir, on va aller à l'Euro del Mar, c'est ça qu'on dit ? L'Euro del Mar. Voilà, on va aller faire un resto là-bas demain soir. Et j'emmènerai le 1 de la bougie de Raphaël, comme ça on sera au resto et on fera sa bougie là-bas. Voilà, non, mais pas de son, mon mec, je vais avoir des droits d'auteur. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vais monter le vlog, douche. Ça fait des journées bien chargées. Hein. Demain, dernier jour. Ça fait 3 jours, on passe de 3 bonnes journées. Franchement, mais genre, bonne journée familiale. Je suis content d'être à ma maison, quand même. Waouh. Il est en train de regarder des vidéos. T'en refais pas. Des enfoirés, n'empêche. Je vais voir, attends, je peux pas, il y a ta main dessus. Hein. La femme est majestueuse. Pourquoi quand on regarde des gens tomber, ça fait rire hein. C'est vrai. Bref, allez, j'arrête, en plus je vais dire 1 million de fois de bref comme quand je suis fatiguée. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Alors là, il irait pas de me faire voir un truc qui font rire, en plus vu que je suis fatiguée. Allez, ciao. Dis ciao, mec. Ciao. Oh, ciao. Arrête tout noir. Ma gueule.
Ça va être tout noir. La gueule. Ça va être tout noir.